Bonjour, donc on va vous présenter nos démonstrations de hack. Donc c'est un projet de deuxième année donc fait avec Florian Audon qui est ici. Donc ce projet sert à sensibiliser des personnes sur la sécurité informatique. La sécurité donc actuellement est au cœur de l'actualité car dans les entreprises c'est extrêmement important. Les téléphones se branchent donc comme des ordinateurs. Ce qui permet donc d'apporter beaucoup plus de fonctionnalités et mais apporte aussi des failles de sécurité. Allô? 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 Cette conversation est enregistrée par les services secrets. Cet ordinateur donc il est branché sur le réseau et il écoute tout ce qui va se passer, donc toute la communication entre les deux téléphones. Et donc nous pouvons réécouter là. Conversation. Allô, cette conversation est écoutée. Donc c'est une faille de sécurité car dans certaines entreprises, certaines informations entre guillemets confidentielles passent souvent par les téléphones. Par exemple, deux collègues qui vont s'appeler et donc un va dire va sur tel site avec tels identifiants, tel mot de passe. On peut aussi récupérer énormément d'informations sur les personnes, sur les caractères des personnes. Après, on peut faire du social engineering, ce qui pousse un peu l'attaque au niveau des solutions pour éviter ce genre de problème, entre guillemets, faille. Ça serait de chiffrer les communications, mais le problème, c'est que le serveur téléphonique doit donc chiffrer et déchiffrer toutes les communications, ce qui créerait des latences si le serveur n'est pas assez bien dimensionné. Un accès à distance à Windows 7. Donc on peut voir que le processeur et la RAM sont tout à fait un usage tout à fait normal. Donc la commande flood router 6 peut faire planter Windows 7. On va laisser tourner que quelques secondes pour éviter de faire crasher tout le serveur. Que le processeur est monté à 100% et que la RAM est en train de monter progressivement jusqu'à un certain plafond. Cette faille est assez critique. Que le processeur là il va rester tout le temps à 100% et le moyen pour le faire redescendre c'est de redémarrer la machine. La commande flood router 6 envoie des paquets en IPv6, donc ce sont des paquets router advertisement. La machine Windows récupère des nouvelles adresses IP à chaque nouveau paquet envoyé par Kali. Cette commande est encore plus critique parce que les paquets sont envoyés en broadcast. Donc, c'est-à-dire que si je me connecte dans le réseau de cette salle, par exemple, et que je lance cette commande, tous les PC dans cette salle vont devenir comme celui-là. Donc, c'est-à-dire un CPU à 100% et donc une machine inutilisable. On peut voir sur l'invite de commande la quantité d'adresses IP que cette machine a récupérée. Je rappelle qu'on a laissé la commande tourner que quelques secondes. De nos jours, beaucoup de cartes bancaires ont donc ce logo, ce qui est un petit problème, puisqu'il n'y a aucune sécurité. C'est très pratique, par contre, puisque paiement sans contact, on donne la carte et puis c'est fini jusqu'à un paiement de 20€, mais je vais vous montrer que des fois, c'est pas forcément bien. Donc juste avec une application trouvée en 2 minutes sur le Play Store, nous pourrons donc lire la carte bancaire. Donc maintenant, avec mon téléphone, je peux l'utiliser comme ma carte bancaire en directement paiement sans contact. Après, je peux aussi dupliquer ma carte bancaire dans une autre carte vierge qui supporte le NFC. Donc le problème aussi, c'est que dans les grandes villes, dans les transports en commun, des personnes ont des antennes et ils peuvent récupérer donc toutes les cartes bleues de la salle. Donc après, le problème, c'est qu'ils peuvent dupliquer toutes ces cartes et payer avec. Le dernier point, c'est que avec l'application que j'ai
que j'ai montré, nous récupérons le numéro de carte bancaire plus la date d'expiration. Donc pour payer sur internet, il nous manque uniquement le cryptogramme. Mais le cryptogramme est une suite de trois nombres de 0 à 9, ce qui fait 1000 possibilités. En informatique, 1000 possibilités, c'est extrêmement rapide. Nous avons ici un Windows 8. Donc on va tenter avec l'outil Conboot de se passer, de pouvoir rentrer dessus sans le mot de passe. Là actuellement, par exemple, je vais essayer de taper le mot de passe test. Donc je vous montre qu'il y a le mot de passe test. On essaye. Donc le mot de passe ne fonctionne pas. Donc on sélectionne le DVD CD pour pouvoir démarrer sur Conboot. Donc là, Windows 8 démarre sans le mot de passe. Donc on pourra voir en testant le même mot de passe test. Donc nous allons tenter de remettre le mot de passe test. C'est bien test. Et donc pour s'en protéger, il y a une technique disponible sous Windows. C'est d'utiliser l'outil Siskey. Cet outil va demander un mot de passe avant le démarrage de l'OS. Donc on fait mettre à jour, on choisit le mot de passe. Donc là, par exemple, je vais mettre test et test. Test, et bah maintenant on arrive à rentrer.